Salut, salut, c'est Biloulette. Alors, nous revoilà sur les Sims avec notre cher Glups et notre cher Globule. Voilà, donc ils sont en train de dormir. Donc on va les laisser pioncer tranquille, n'est-ce pas? Je fais un petit tour du propriétaire pendant ce temps-là pour regarder où on en est. Je sais pas ce que c'est ça. Non, ça doit pas être des arbres à simflouze. Bon, voilà, donc tous les arroseurs sont automatiques. Alors d'ailleurs, à propos des arroseurs, je vais répondre à une question qu'on m'avait posée. Enfin, je vais essayer. C'est où ça se trouve? Donc certainement dans extérieur. Accessoires pour pelouse peut-être. Et c'est quoi, c'est ça? Ah non. Et c'est pas là. C'est pas là. Donc dans le jardin. Voyons voir. Décor. Ça c'est quoi, chambre? Non, ça peut pas être dans tout ça. C'est forcément dans l'extérieur. Décoration de toit, cuisine extérieure, lampe, siège, activité. Transport, non. Là-dedans peut-être. Je sais plus. Ah ben voilà. Donc c'est ici l'arroseur auto. Enfin, l'arroseur. Donc vous étiez plusieurs à le chercher. Donc vous allez dans le petit ballon. Ici, là. Le petit ballon dans le truc de recherche générale, petit ballon, et on a notre arroseur ici. Et vous le rendez automatique en l'améliorant. Donc c'est pas des arroseurs automatiques que vous achetez. Voilà, ils deviennent arroseurs automatiques en fait quand vous les avez améliorés. Donc alors, le petit bonhomme se lève. Il n'y a plus d'eau au sol, là, il y avait plein d'eau. Il n'y en a plus. Alors, le petit bonhomme se lève. Comment il va, le petit bonhomme? Il a faim. Pipi douche, donc pipi douche. Et voilà, et manger. Pipi douche, manger. Et puis, elle, quand elle va se lever, elle va globalement manger. Il n'y a rien à récolter au niveau des arbres. Asimflouz, flouz. Donc, ouais, toi, j'ai dit que tu vas aller servir des gaufres. Voilà. Et voilà, on va virer l'homme de ménage parce qu'il en fout pas une. Donc, on va le dégager au sein. Et puis, est-ce qu'elle va avoir fini? En fait, tu vas pas manger tout de suite. Je sais pas s'il avait fait ses devoirs, lui, d'ailleurs. Je sais plus du tout. Donc après, bah, tu vas nettoyer. Le temps que ta mère finisse de te faire à manger, n'est-ce pas? Et voilà, bon, la récolte, elle devrait pouvoir attendre ce soir ou demain. Oui, on dira peut-être juste à Glups. Ben non, même pas. Si. De fertiliser une fois qu'ils auront mangé. Bon, c'est long tes gaufres là, Mistinguette. Qu'est-ce que je vais lui faire au petit? Lui faire faire en attendant. Bon, après, t'es te laver les mains. Non, c'est pas toi. C'est toi. Tu vas nettoyer les chiottes, le truc vachement logique. Donc, tu peux pas. Donc, c'est trop propre peut-être. Et là, ça non plus, tu peux pas. Tendre un piège, se laver les dents. Bon, bah lave-toi les dents avant de manger, c'est très intelligent. Voilà, hop.
Le temps que maman finisse de faire à manger. Oh, sur son petit... sur son petit tabouret. Bon, les gaufres sont donc prêtes, je pense. Oui. Hop, donc, Mistinguette, tu vas... Tu vas prendre une assiette. Petit bonhomme, tu vas prendre une assiette. Et venir miam avec ta mère. Voilà, ensuite on va les faire bouger. Le petit père, on va lui faire faire encore un petit peu de pêche, je pense. Pendant que elle ira ramasser des trucs. On a combien de sous là? 594. Je crois qu'il y a des trucs à vendre, ceci dit. Ouais, c'est ça. Mais avant de vendre, faut que je replante en fonction des... Ouais, d'ailleurs, faut que j'analyse ça parce que... Pommes de terre excellentes. Ça, c'est quoi des pommes de terre aussi? Donc, pommes de terre excellentes. Alors que ici, j'ai de l'exceptionnel. Donc, en fait, tu viendras planter. Hop, une pomme de terre exceptionnelle. Ensuite, ça c'est quoi? De la pastèque très bonne. Donc tu vas planter une comme ça aussi. Là-bas, c'est quoi? De l'oignon? De l'oignon. Et là, attends, c'est de l'oignon quoi? Allô? Très bonne. Enfin, très bon. Ensuite, ici, on a du très bon. Ah, on a un délice. Donc, planter. Hop. Et zo. Ensuite, toi, t'es des tomates, je suppose, parfaites. Donc, les tomates parfaites, bon, on va pouvoir lancer. Normalement, elles ont dû donner des tomates parfaites. Nickel. Donc, on va planter. Bah, écoutez, on va planter. Deux. Voilà, donc ça en fera trois au total. Ici, on a pommier un délice. Ça, c'est un arbre à simflouze. Et toi, un délice. Donc, les pommes. Non, pas ça. Ça. Un délice, excellente, exceptionnelle. Donc, on va planter un pommier. Donc voilà, hein, l'idée c'est de, comment dirais-je, de faire comme ça au fur et à mesure. Toi, je vais te planter là pour pouvoir n'avoir finalement que des parfaits. Vous aurez compris l'idée. Toi, t'es qui? Ah ben non, t'en avais déjà une. Ah merde, c'est où je l'ai planté l'arbre? Bon, ben, je le détruirai après, c'est pas grave. Toi, t'es qui? On sait pas? Allô? On sait pas qui tu es? Ah, pommier parfait. C'est ça. Donc, plante de tomates parfaite. Ah oui, donc je vais en avoir 5. Donc en fait, je fais des conneries là. Donc je vais repasser en mode achat, pardon, construction. Pourquoi il veut pas choper ça? Hein? Ah, parce que j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose avec. Oh. D'accord, c'est bon. Oh là là. Donc, bah, de toute façon, pommier, j'ai dit non. Tomate, j'en ai mis combien? Une. Deux. Donc, j'en ai pas besoin. Oignon, tout ça, c'était bon. Donc ici, c'est bon. Ensuite, ici. Toi, t'es un oignon exceptionnel. Plante de vie normale. Alors, les plantes de vie. Il faut que j'en plante plusieurs, je pense. Très bonne, très bonne. J'en ai combien? Je vais en planter une seule, en fait. Une seule. Ici. D.
des buissons flambés, des pommes de terre, donc tout ça. On sait pas tout ce que c'est encore. Ah, buisson à chrysanthème, bah vous voyez, j'avais pas besoin d'aller en chercher un au cimetière en fait. J'en ai trouvé un. Donc ça, peut-être c'en est un autre. Non, c'est de l'oignon. Donc je vais changer ça aussi. Donc du coup, il me reste quoi à planter? Citronnier. Un délice. Je vais en planter un. Je vais en planter un où? En planter un ici. Ça, je ne les ai pas plantés. Qualité excellente. Pastèque. C'est pas des pastèques, moi c'est du raisin que je cherche. Laitue, vigne. Exceptionnel. Donc c'est mieux. Ensuite, j'ai quoi d'autre? De l'ail. Ah, j'ai que du très bon. Bon, je vais en replanter un quand même. Hop. Ça, c'était bien. J'ai pas rêvé. C'est un arbre. Attendez voir. Plante de vie, ouais, c'est ça. Donc j'en ai déjà planté, mais ça, ce serait pas de meilleure qualité. Très bonne. Et là, j'ai planté quoi? Je vais en planter une. Hop. Il est où l'arroseur? Il est là. Je vais te mettre ici. Voilà. Et c'est tout graines inconnues rares. Donc graines inconnues rares. Ah ben elle est à fond. Et puis le petit bonhomme, lui, il va aller pêcher pendant que sa mère fait ça. Donc, tu vas aller pêcher. Purée, il a des appâts. Pourquoi il ne peut pas choisir l'appât? Il faut peut-être qu'il commence par des fruits comme appât, mais c'est très étrange. C'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi je peux pas lui faire ouvrir le frigo à lui? Ouvrir, voilà. Tu vas prendre ça pour voir si du coup tu pourrais le prendre comme appât. Mais je pense que non, hein, parce que vous me disiez que il était grisé et que donc il pouvait. Ah bah si, c'était ça. Mais c'est qu'il peut pas en fait commencer par prendre un poisson comme appât. C'est ça. Donc il faut que je le blinde un peu. Bon voilà, et quand ils auront fini ça, du coup. Comment dirais-je? Du coup, ils pourront vendre leurs trucs. Donc, mettre les restes de côté et ensuite aller pêcher. Voilà. Bon, Mistinguette, elle va bosser. Et c'est quoi qui lui plaît pas? Cuisson inégale. Bah oui, chouchou, faut que tu apprennes à cuisiner, c'est normal. Oh, petit bonhomme, il va faire la vaisselle. Il est trop mignon, mais tu sais, on a un homme de ménage. Bon, je te l'accorde, il n'est pas super efficace. Mais bon. donc, voilà. Ensuite, je vais vendre ce machin-là, effectivement. Ça va me faire des sous. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais le vendre maintenant. Hop. Ouais, 90. Après, je vais faire le tri dans tout ça, mais je ferai peut-être ça hors caméra histoire de pas perdre de temps. Donc en clair, je vais faire quoi? Je vais virer tous ceux qui sont de niveau inférieur dans les nouveaux que j'ai trouvés à ceux que j'ai déjà récoltés. C'est ça que je vais faire. Voilà, elle a presque fini. Elle a presque fini, donc je vais lui faire quand même faire de la fertilisation. Avec les meilleurs fertilisants, du coup. Du coup. Il a pris un niveau, petit pépère, on dirait. Il a dû prendre un niveau. C'est où les niveaux? C'est là. C'est ça. Il était à 2. Bon, ben, c'est cool.
Bon, elle, elle est contente parce qu'elle a fait pousser son buisson à chrysanthème, là. Ok, bon. C'est quoi ça? Acheter un objet type bascule. Non. D'accord. Et ça, c'est quoi? Apprendre la compétence charisme. Non plus, merci. Et ça? Acheter un... Ouais, un jouet, mais je peux pas pour l'instant. Elle n'a pas de sous, la dame. Elle peut pas. Qu'est-ce que je voulions dire? Oui, donc dès qu'elle a fini tout ça, on vend le matos en rab pour se faire un petit peu de sous et voir si on va pas pouvoir, avec un peu de chance, faire quelque chose pour la maison. Tiens, il y a des trucs achetés au frigo. Viens donc. Rien du tout, tu peux pas le faire. Oh là là, ils peuvent rien faire, les petits, hein. Donc toi, tu iras faire ça après. C'est-à-dire jeter la nourriture périmée. Ah bah tiens, c'est pas la même femme de ménage. Ah bah c'est cool, j'aurais pas besoin de le virer l'autre. Ah bah elle va le faire. Ah bah parfait, écoute. Nickel. Nickel, nickel. Donc ici, tout va bien. Bon, hygiène forcément. Ça va, ils ont pas trop faim. Le petit bonhomme, il pêche comme un dieu. Un petit poisson rouge. C'est bien, la compétence augmente, c'est cool. Et puis, bon, bah écoutez, je pense que je vais la faire finalement récolter et tout ça, hein. Ils vont rester à la maison, 11h33. Ouais, demain il y a école pour le petit chou là, donc. Créer un parfait aquarium privé. Non. J'ai pas envie de te faire prendre ça comme bidule truc à long terme. Ça. Non mais je rêve. Elle dort. Non mais je rêve. TikTok. Alors, vous m'aviez conseillé, donc, vous m'avez conseillé de prendre plutôt une, je sais plus quoi, je vais bien trouver, appeler donc métier, profession, appeler pour obtenir des services, de prendre une gouvernante, je crois. Je vais voir la différence de prix. Parce que là, c'est 25$ quand même. Donc, pompier, livraison, pizza. Domestique, c'est 1200 par semaine. Là, c'est 125 par jour. C'est forcément moins cher, du coup, 1200 par semaine. Ça, on va annuler et on va prendre la domestique. Hein, parce que 125 par jour, ça fait plus de 1200 par semaine. Donc, ah oui, mais il lui faut une, il lui faut un lit. Annulé. Pause. Pause, pause, pause. Tu vas finir donc de fertiliser. Je vais accélérer un peu. Ça va dépendre de combien j'ai de sous. Parce que du coup, il faut que je lui fasse un lit à l'autre là. Ce qui m'arrange pas du tout. Je vais lui faire un gourbi à la pauvre. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu. Bon, bah écoutez, ça fait 20 minutes, bah voyez, hein, ça passe vite. Donc, on n'aura pas énormément, énormément avancé. Mais je vous reprends dans l'épisode prochain. Allez, bye bye.